Pacific FM. Votre radio tournaisienne, Pacific FM. Here we go. Hey! Chers amis, bonsoir et bienvenue dans l'Instant Talent sur Pacific FM. Eh oui, nous sommes mercredi soir, le mercredi 21 décembre 2016. Et attention, ce soir, nous avons quand même la chance d'accueillir les plus charmantes mères Noël de Wallonie-Picarde. Puisque nous avons la chance donc d'accueillir les élus, les récentes élus, Miss Wallonie-Picarde 2017, la Miss et ses dauphines. Bonsoir mon cher Jérémy. Bonsoir Tom. Bonsoir Tom. Oui, rapproche-toi du micro, t'as raison. Ça va bien Jérémy? Ça va, t'as un beau petit chapeau dit. J'ai eu très peur, heureusement que t'as précisé le chapeau. Ça va bien quoi, toi? Qu'est-ce que t'as? Pas du tout, mais écoute, je te connais, je connais ton second degré et, ouais, c'est pas et sûr, aussi mais... ta fatigue de fin d'année qui pourrait mener à des phrases un peu regrettables. Ça va Jérémy donc? Oui. Un peu chaud, mais ça va. Un peu chaud, et alors tu es tout bon Père Noël? Mais il est ouais, tout bon. Tu me crois pas, mais c'est le vrai. Vraiment tout du Père Noël. C'est pas vrai. Si, je l'ai croisé sur la route. Mais c'est incroyable. Je me suis arrêté, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et tu l'as dépouillé de son manteau en fait. Ah non, c'est lui qui me l'a prêté parce qu'il savait qu'il avait mis sur le Picard qui venait à la radio. Eh bien, on salue donc le Père Noël qui nous a prêté. Coucou, bonjour, enfin rebonjour, et merci pour le manteau. Mais j'ai dû lui prêter mon veston. Ah, d'accord. Bon, okay, maintenant tu vois le résultat, je flotte dans son peignoir. Alors, Oui, tout à fait. Et alors la musculation, Jérémy, c'est pour quand? Mais non, mais imagine l'état de ma veste. Effectivement. Est-ce que le public est en forme ce soir? Oui. Oui. Ah, on a juste un petit mot, on s'attendait à un gros ouais, on a juste un petit mot. Voilà. Voilà. Et oui, et donc évidemment, pour accompagner les élus et notre Miss Wallonie-Picarde 2017, Madame la Présidente, évidemment, Ariane. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Bon, j'ai juste demandé de rapprocher un tout petit peu ton micro, comme ça on t'entend encore mieux, puisque tu vas un peu démarrer. Alors Ariane, on achève cette année 2016. Alors pour toi, au niveau de l'organisation, était-ce une belle année 2016? Oui, c'était une très belle année, on a fait une très belle élection, donc on en est fiers. Donc voilà, donc ici, on va redémarrer à partir du 1er janvier sur des chapeaux de roue, parce que les inscriptions vont se faire. Et puis voilà, on a déjà une date pour la présélection, c'est déjà le lieu, voilà, tout s'organise. Oh, donc, chouette. Voilà, donc... Une année 2017 qui commence sur les chapeaux de roue, donc c'est... C'est sans repos, si on veut faire un beau spectacle, on doit redémarrer quasi aussi vite. On revoit une dernière fois toutes les candidates finalistes le 14 janvier pour faire une soirée DVD tout ensemble. Très chouette. Donc vous revoyez, voilà aussi. Et voilà. Donc après l'élection, on a quand même eu un resto où manquait deux filles sur... à l'appel, et puis pour ici la soirée DVD, apparemment il n'en manquera que deux aussi. Donc voilà, donc elle revient tout, ouais, voilà. Et on confirme que c'était une très très belle soirée, l'élection ici donc pour l'année 2017. Ouais. On a vraiment adoré, encore merci pour ton invitation, Ariane. Non, c'est rien, c'est parce avec que, plaisir. Parce que ce n'est pas tout d'être invité, mais en plus on était super bien placé. Là, c'était vraiment génial, on a passé une superbe soirée. Vraiment, ça me donc encore merci pour cela. Et justement, au niveau de cette soirée, Ariane, tout s'est passé comme prévu. Est-ce que tu étais heureuse aussi du lieu, puisqu'on sait que le lieu avait un tout petit peu changé par rapport à tes plans de départ? Finalement, tout est rentré dans l'ordre à ce niveau-là? Oui, pour finir, les gens ne nous ont pas fait de remarques comme quoi on n'était pas au Ulceva. On est allé quelques semaines après au Ulceva, et c'est Ulceva. On s'est dit l'air de rien, la couturelle n'était pas plus mauvaise. Un peu embêtant pour point de vue parking pour les gens, mais pour finir, voilà. Bon, si l'obligation de tout débarrasser le jour même, on a vraiment, si on pouvait retourner sur Art, on retournerait à la couturelle. On n'irait même pas au CEVA. Très bien, et au niveau du programme, vous avez prévu du lourd, comme on dit. Je crois que les résultats ont été annoncés à plus de 2h du matin. Est-ce que c'était prévu, justement, c'était dans le programme? On essaye toujours de terminer vers 1h, mais déjà, on a pris un peu de retard avec le huis clos, une personne est arrivée plus en retard. On a pris un petit peu de retard. Le spectacle, c'est fait que, c'est vrai que...
prévoit une certaine heure, mais bon, quelquefois, voilà, il faut suivre aussi dans les coulisses. Il faut dire que derrière, ça fourmille, il y a des maquilleurs, des coiffeurs. Ben, vous avez pu voir que, ouais. Bon, elles ont commencé avec les cheveux toutes déliés et qu'ils ont terminé avec des superbes chignons. Voilà, donc il faut quand même laisser le temps aux gens qui travaillent derrière, et c'est ça qui, quelquefois, les entraxes sont un peu plus longs. Pourquoi ? Parce que les filles ne sont pas tout à fait prêtes, donc voilà. Hop, ça c'est fait. Non. Non, j'allais dire avec la qualité du spectacle, on ne fait même pas attention de toute façon. Donc, pour moi, c'était nickel comme ça. Oui, on n'a pas vu la passer de façon. On n'a pas vu le temps passer. C'est très bien. C'est ce qu'on espère, que quand les gens viennent nous voir, bah, que le spectacle ne leur paraisse pas à se dire bah, ça va terminer à quelle heure. Voilà, donc. On essaye que, de respecter plus ou moins aussi, quand on annonce par exemple un quart d'heure d'entraide, de respecter le quart d'heure. Mais bon, voilà, tout dépend pas toujours de nous. Et voilà, mais bon, on est content de tous et on est content d'avoir tout le monde qui travaille dans les coulisses. Voilà, parce que bon, sans tous bénévoles derrière, ben, on n'avancerait pas non plus. Donc, voilà. C'est vrai, Jérémy, on se disait durant la soirée, quelle organisation, c'est incroyable. Oui, c'est tout son côté en plus, donc ouais, c'est le monde qui doit avoir derrière, en effet, c'est les coiffeuses, les coiffeurs. Les coiffeurs, donc ils étaient 4 coiffeurs et combien de maquilleurs à peu près? Une dizaine de maquilleurs, ah, ouais, quand même. Quand, hein, même. Oui. Quand on est de l'autre côté de la scène, ça se... Enfin, on ne voit pas, enfin, quand on est au pied et qu'on regarde le spectacle, on ne sait pas qu'il y a autant de... Et on a voulu un petit peu innover en lingerie, donc on a fait un petit peu le style Victoria's Secret, et il faut dire que tout ce qui était costume, enfin, pas les sous-vêtements, naturellement, pas la lingerie, mais tout ce qui était accessoire a été fait de nos propres mains. Ça faut souligner. Voilà, tout ce qui est décor est toujours fait par nous, par des gens qui sont bénévoles chez nous et qui s'occupent du décor, des anciens élus, qui prennent du temps à faire tous ces décors, et voilà. Donc, génial. Voilà, franchement, respect en tout cas pour tous ceux qui organisent cela, bravo à vous, et on espère aussi que la version 2018 va être vraiment géniale pour vous. Et justement, Ariane, est-ce que tu peux déjà nous en dire un tout petit peu plus sur la version 2018? On aura ici une réunion donc durant le mois de janvier, donc avec toutes les personnes qui travaillent pour l'élection, naturellement, et là va se décider donc du thème. Donc voilà, moi j'ai pas encore d'idée pour le thème. Je laisse à la chorégraphe, enfin à tout le monde. Tout le monde vient avec ses idées, et avec ça on met un thème, on met des idées, et on est parti. Disons que pour le mois de mars, tout est clôturé. Donc, C'est de la faute à Jérémy Lotting, voilà, c'est de sa faute. C'est pas moi, c'est public. Donc voilà. Mais ici maintenant, ce qu'on va travailler, donc, c'est pour accueillir les nouvelles futures candidates. Donc, si des jeunes filles sont intéressées entre 17 et 25 ans, qui habitent la Wallonie-Picard, qui sont célibataires, mais elles peuvent avoir un copain, mais célibataires civilement, et sans enfants naturellement, parce qu'avec les prestations que les filles ont, s'il y a des enfants là derrière, les malheureux, ils n'auront pas beaucoup leur maman. Et voilà, elles peuvent s'inscrire via notre site, et là, les informations suivent, et après je les accueille chaleureusement toutes chez moi, donc... Voilà, donc elles sont toujours bien accueillies, mais enfin les filles pourront vous en parler, et je les explique bien de A à Z à quoi elles s'engagent, donc comme ça, voilà, il n'y a pas de surprise. Et donc finalement cette année c'était un bon cru là aussi au niveau des candidates, Oui, elles ont été là jusqu'au bout, donc... Et voilà, encore des contacts avec justement les non-élus, si je puis dire, ou certaines ont plutôt vous ont un peu laissé. Elles sont venues. Les filles, vous avez encore des contacts avec certaines. Même certaines marquent. Bon, voilà, encore j'ai vu là Ivoire qui marquait. Bon, vous me manquez, les filles, ça me manque. Enfin, voilà, donc les contacts restent encore. Et bon, qui marquent comme quoi ils ont vécu une belle aventure. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que. On aimerait bien que tout le monde gagne, il y a un podium de quête déjà, donc c'est déjà pas mal, mais voilà. Donc, Très bien. Est-ce que tu espères encore plus d'inscriptions cette année, Ariane? Est-ce que tu as des objectifs par rapport à cela? Non, je dis, les filles qui ont envie de s'inscrire, voilà, elles sont les bienvenues. Je ne me mets pas la barre haute. Bon, on arrive toujours à avoir nos 12 finalistes, donc on a toujours une présélection à faire, donc voilà. Donc, mais les filles ne doivent pas hésiter à s'inscrire, il n'y a pas de préjugé, pas de préjugé de taille ni de poids, tant qu'elles se sentent élégantes, naturelles et féminines, ben voilà,
Et même si elles n'ont pas cette féminité, quelquefois, bon, faire une élection leur permet d'avoir cette féminité après. Donc, et on a déjà eu des exemples. Deux sœurs, elles faisaient du foot, elles faisaient du cheval, elles faisaient tout, et elles ont été élues toutes les deux dauphines. Donc comme quoi, même si on est un peu plus féminine, ben voilà, ça peut leur apporter. Même participer à l'élection tout court. Ben voilà, c'est ça. Voilà, être élu. Enfin, ouais, voilà. Donc, mais certains jurys ont eu l'occasion de les voir à la présélection et puis à l'élection, et ils voient que pendant les quatre mois, elles ont pris l'assurance et elles l'ont. À plus de confiance en elles, parce que bon, ben voilà, elles ont eu des situations où elles devaient donc se mettre devant tout public et parler. Bon, il faut savoir que le soir de l'élection, vous étiez 650 dans la salle, donc elles ont quand même dû parler devant 650 personnes, et bon, elles l'ont fait toutes de manière, avec leur présentation perso, mais toutes de manière différente, mais elles l'ont fait sans problème. Donc voilà. Et belle qualité de prestation aussi, hein, justement, des présentations. Là, oui, c'était vraiment très très chouette, donc vraiment de très bonnes performances. On sent qu'elles ont été bien drillées, bien entraînées par Ariane. Là aussi, il y a eu du beau travail derrière. Ben, c'est grâce à toute l'équipe qu'on est. Voilà, on est coude à coude et voilà, on essaye de faire vivre à toutes ces jeunes filles ben, voilà, une belle aventure et d'en garder des bons souvenirs. Voilà. Très bien, très bien. Et je pense que le public a été vraiment conquis. En tout cas, on l'a ressenti là derrière nous, Jérémy. C'était vraiment, voilà, tout le monde avait vraiment apprécié la chose. Il y avait beaucoup de classe aussi dans cette élection. On trouvait que c'était voilà, très très classe. Ça faisait tout l'ensemble du spectacle. Il y avait voilà, quelque chose qui ressortait, qui était vraiment sympa, comme ça. Voilà, tout à fait. Qui vous caractérisait. Ça fait combien? C'est la dixième. La huitième année, c'était. La huitième édition. La dixième sera très spéciale, mais bon, on dira à ce moment-là, on en dira plus. Voilà, c'est ouais, voilà. Très bien. Écoute, Jérémy, je pense que l'émission démarre très très bien. L'occasion de rappeler à nos auditeurs, eh bien, comment nous suivre. T'as dans mes pensées. Alors oui, nos auditeurs peuvent nous écouter sur le 95.1 FM. Ils peuvent également nous écouter sur pacificfm.be ou s'ils veulent même nous voir, ou voir les Miss ici présentes, il suffit d'aller sur notre page Facebook, l'Instant Talent Pacifique FM, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et là vous avez un gros bouton regarder la vidéo, vous cliquez dessus et vous allez nous voir en live streaming. Et oui, donc une vision du studio de manière générale et une vision plus particulière de notre Miss et Ariane. C'est vrai, ah, oui. Une petite fenêtre là, rien que cela, ça vaut la peine, évidemment. Eh bien, si on passait un peu à notre Miss Olonie Picard 2017, mon cher ami. Allons-y. À moins que tu aies encore une question pour Ariane, mais on y reviendra peut-être après. Alors Laurine, comment vas-tu? Mais ça va très bien, et vous? Mais très très bien. Eh bien écoute, depuis la dernière fois dans ce studio, tu as vécu des moments de bonheur là. Ah ça c'est sûr, je m'y attendais vraiment pas. C'est vrai, vraiment c'était une bonne surprise pour toi? Ouais. Ah vraiment oui. D'ailleurs j'ai hâte de voir vraiment ma tête en vidéo, mais je pense que c'était épique, je pense. Donc d'après toi Laurine, c'est intéressant, tu pensais que d'autres entre guillemets candidates concurrentes, je dis bien entre guillemets, eh bien allaient passer devant toi au niveau du classement? Ah oui, bien sûr. Ah oui, pour moi, j'allais certainement pas être Miss, quoi. Déjà, Dauphine, j'aurais été super contente, mais je m'y attendais pas, quoi. Mais c'est vraiment très, très bien, très très bien. Et donc, justement, comment as-tu vécu l'ensemble de cette soirée? D'abord, la préparation du spectacle, les différentes chorégraphies, la présentation, jusqu'au résultat. C'est incroyable pour toi. Bah, c'était une super soirée. Moi, j'adore danser, donc j'ai profité à fond, c'était vraiment super. Après la fin, voilà, il y avait le stress qui arrivait parce qu'on se demandait comment ça allait se passer, les résultats et tout ça. Et puis ben voilà, après grande surprise et beaucoup d'émotions. J'ai eu beaucoup de mal à y croire en fait, à me dire que c'était réel, quoi, que c'était, que c'était moi. Ah oui, d'accord. Donc quand on a annoncé les dauphines, pour toi c'était mort en fait. Là... Oui, ben en fait dès que j'ai entendu après la première dauphine, je me suis dit bon bah j'ai rien, mais bon, c'est pas grave. Et comme quoi. Parce que c'est déjà une super aventure comme ça. Donc moi je l'avais dit au huis clos, hein. J'avais dit que si j'avais quelque chose, je serais ravie, mais que sinon c'était déjà une très belle aventure comme ça. Donc. Voilà. Très bien, très chouette. Encore félicitations à toi et évidemment félicitations donc à nos dauphines aussi, parce que ça s'est joué de peu, d'après ce que l'on avait compris donc durant la soirée. Voilà, Ariane le confirme. Donc parfois ça se joue sur des détails. Alors Laurine aussi, donc juste après cette élection, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de petit stress en te disant ben voilà, maintenant je vais devoir assurer des tas de prestations derrière? Oui, oui. Bon, c'est vrai qu'après on se dit il y a quand même beaucoup de responsabilités. Mais bon, je me dis normalement je peux y arriver. Hein.
Il n'y a pas de raison. Et pour l'instant, donc ici on est fin décembre, pour l'instant, comment se passent les différentes sorties, les différentes activités prévues pour vous? Ben, ça se passe très bien. Donc on a eu l'occasion d'aller d'assister à plusieurs élections. Moi, je n'avais jamais vu d'élection de ma vie, en fait. J'ai fait l'inverse, j'ai d'abord participé avant d'en voir. Et bah, on se rend un peu compte, voilà, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. C'est autre chose. Effectivement. Et donc, c'est avant tout une fierté pour toi, ou comment tu ressens cela maintenant? Voilà, tu es mis sur le nid Picard, tu représentes, que ce soit un comité, une région tout entière. Mm-hmm. Et quel est un peu ton sentiment? Voilà, quand tu vas en prestation, tu dis, bon, c'est une fierté, c'est une joie. Oui, c'est une joie, en fait. Ouais. Voilà, je suis vraiment contente. Encore maintenant, j'ai du mal à réaliser, hein, je vous avoue. Très bien, alors Jérémy et Laurine, qu'en penses-tu et qu'as-tu à lui dire un peu? La voiture, ça va? Ah, avec le cadeau. Ah, ce qu'on n'avait pas encore. Non, pas encore. Bientôt alors. Ouais, le soleil commence à pleuvoir en plus, donc c'est un peu cadeau. Oui, tu as bien réagi ce qui traîne un peu. Non, mais moi j'avais vu ta tête, mais je me rappelle. Ah voilà. La surprise, moi je m'en souviens. La surprise complète. Ah, ça se voyait à ta tête. Ah oui, vraiment. Mais c'est seulement le lendemain que tu te dis, ça y est, c'est reparti pour un an. Même le lendemain, j'avais encore du mal à y croire. Moi, c'est vraiment au moment où j'ai vu la couronne, que j'ai vu l'écharpe, j'ai dit, ah oui, en fait, c'est vrai, c'est moi. J'ai vraiment eu du mal à m'en rendre compte. Hein. D'accord. Et donc ici, tu as déjà fait quelques sorties, comme tu disais, du style association. Oui, on est allé donc samedi avec Mélanie. On est allé à une association pour les enfants malades et défavorisés. Donc voilà, c'est vraiment. On voit plein de choses en fait. On fait des élections, mais on fait aussi des belles soirées pour des associations. Enfin, c'est vraiment de tout. Vraiment de tout. D'accord. Et pour les futurs candidats, tu vas te sentir impliqué à leur expliquer certaines choses, comment elles devraient y arriver Oui, on m'a dit qu'on allait les soutenir, vraiment les pousser jusqu'au bout, vraiment les coacher, entre guillemets, pour que ce soit vraiment un super spectacle et qu'elles en soient ravies, quoi. D'accord, ok. Et remonter sur scène comme ça, parce que tu disais que tu participais donc à d'autres... Enfin, t'assistais à des élections. Vous devez monter sur scène. Oui, pour parler, voilà. Et donc là, ça va, le tract, il n'y a plus ou encore un petit peu. Pour l'instant, j'ai parlé qu'à une élection. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu stressée parce que c'est quand même impressionnant, quoi, parler comme ça. Maintenant, en tant que Miss, je me dis, bon, il faut quand même que je parle bien. Voilà. Mais bon, je pense que ça a été. Hein. Rien à dire, elle approuve. Et mais donc, deuxième spectacle également, vous allez devoir participer à... puisqu'il va y avoir l'élection Miss Pauline Picard 2018. Ce sera notre dernier spectacle. Ouais. Et là, pas trop de trac non plus Pour l'instant, non. Hein. Ce sera sûrement à la fin. Ouais. Là, voilà. Okay. Ce sera sûrement un peu nostalgique, un peu. Ah ouais, pour une soirée d'émotion aussi. Oui. Là aussi, hein, on avait vu ce soir-là qu'il y avait beaucoup d'émotions également de la part des sortantes. Ah oui, des couronnements, c'était... mouvant. À chaque fois, Et on en reparlera aussi avec nos dauphines, où cela n'a pas été triste non plus à certains moments de la soirée au niveau émotif. On s'en souvient très beaucoup bien. D'émotions tout au long de la soirée. Ah, oui. Et justement, Laurine, on parle un tout petit peu des avantages à devenir Miss Olympia Picard. Il y a aussi des cadeaux, il faut le dire. Quand on a vu la liste de cadeaux s'annoncer tout au long de la soirée, on s'est dit waouh, ils sont gâtés quand même. Ah, il y a énormément de cadeaux, c'est vrai. As-tu déjà eu le temps d'en profiter un peu de ces cadeaux? Ah oui, on a déjà eu. Bah, donc on est allé à la parapharmacie, on a une panier cadeau, donc c'est fait. Enfin, voilà, on est ravitaillé. C'est bon, là. On a eu tout ce qu'il fallait. Puis il y a les cadeaux aussi, les robes de soirée quand j'ai mes prestations, le maquillage, les coiffures. Enfin, c'est vraiment, c'est hallucinant tous les cadeaux. Les ongles aussi, oui, j'ai eu l'occasion d'aller les faire chez Nature et Loisirs. Donc c'est super. Alors voilà, donc tout nécessaire pour être encore plus charmante que charmante. En fait, là c'est. Et c'est vrai, cette année ils ont été particulièrement gâtés. Là, Ariane, tu es très contente aussi donc du côté cadeau et des différents apports des sponsors et tout cela. Oui, voilà, il y a des sponsors qui nous suivent quand même depuis 2009. Donc là, je leur en suis très reconnaissante. Et puis bon, on a des nouveaux qui se sont rajoutés et qui sont super. Voilà. Et j'espère qu'ils continueront avec nous parce que bon, c'est pas évident avec la crise actuelle de s'investir comme ça. Mais voilà, bon, ils en sont contents, donc voilà. Moi, tout ce que je demande, on travaille
solidairement, ensemble. Donc, quand eux ont, par exemple, une porte ouverte aussi ou là, ben, voilà, nos filles vont pour la porte ouverte. Pour eux, c'est aussi, bon, ben voilà, ils sont une Picarde, elles à l'Institut ou ceci ou cela. Bon, ben, pour eux, c'est aussi un plus. Donc, voilà. Tout à fait. Très bien tout cela. Oui, c'est vrai, on a beaucoup apprécié aussi le grand écran où les sponsors défilaient, c'était très castré. La chose qu'on peut leur remettre, c'est leur publicité partout. Donc, ils sont sur les affiches, ils sont sur les tickets d'entrée, ils sont sur notre site internet pendant un an. Voilà, donc il y a plein d'avantages pour eux. Et le soir de l'élection, en plus d'être sur l'écran géant, ben, nos présentateurs les présentent. Donc on ne les oublie pas, on a besoin d'eux, mais on ne les oublie pas non plus, parce que le soir de l'élection, on les cite tous un à un, tout le monde est cité, je voudrais surtout bien à oublier personne, parce que c'est pas évident, voilà. Et ici, les filles sont déjà à leur 15e sortie, donc depuis le 5 novembre. Allez, ah quand même. Ouais. Les week-ends doivent passer très vite, je crois, pour... le week-end passé a encore été lourd en tâche. Il faut dire que Laurine, elle était présente donc, pour la nocturne d'un sponsor. Mélanie travaillait, donc qui est soignante, donc elle n'a pas toujours l'horaire qui va. Mais Laurine et Laura et Mallory, elles se sont mises à courir. Elles ont couru pendant 5 km 500 pour une course en même Noël, comme ça. J'avais posé la question justement. Ah voilà, et elles n'avaient plus couru depuis un bout de temps et j'étais très fière d'elles parce qu'au classement, elles se situent pas mal. Donc voilà. C'est bien, en plus d'être Miss, on a des sportives. Voilà. Bien ça. Voilà, c'est très intéressant aussi pour tous ceux qui hésitent éventuellement à s'inscrire. Eh bien voilà, il y a le côté, il y a l'élection, il y a la préparation, mais il y a aussi l'après, éventuellement de fameuses responsabilités à avoir. Donc, Laurine, je reviens un tout petit peu à toi, c'est quand même un rêve qui devient réalité malgré toutes ces responsabilités, et que ce soit sportif, que ce soit de représentation, ça je veux dire que ça part un peu dans tous les sens, mais vous devez être un peu polyvalent. Il y a vraiment du tout, c'est ça qui est chouette. Et donc Laurine, à ce propos, pour tous ceux qui hésitent éventuellement à s'inscrire pour l'édition 2018, eh bien quelles sont les trois bonnes raisons pour définitivement s'inscrire et se lancer dans cette belle aventure? Parce que justement, c'est une aventure vraiment... Je trouve qu'il faut la vivre une fois, quoi. C'est vraiment... C'est super. Si elles aiment danser, vraiment faire un beau spectacle, puis... Enfin, c'est super, quoi. Pour leur famille qui vient les voir aussi, faut vraiment se lancer. Moi, je trouve qu'il faut le faire au moins une fois, quoi. Moi, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Et ben voilà, c'est l'aventure en tout qui compte. Oui. On rencontre de belles personnes, c'est vraiment chouette. Ben voilà, on en profite pour saluer éventuellement les autres candidates qui nous écoutent, que ce soit des années précédentes ou de l'année dernière. On fait un coucou aussi à Donovan Gauchot qui nous écoute. Voilà, les ambassadeurs Belleuil, il nous l'a promis. Alors Jérémy, écoute, il est 20h33, est-ce qu'on passe directement à nos dauphines, à le ressenti et tout, ou est-ce qu'on fait une petite pause musicale entre nous? Une petite pause musicale. Hein. Alors Jérémy, explique-nous tout, parce que c'est toi qui as amené les musiques cette fois-ci. Ah, ça va être du Lost Frequencies, avec un petit son particulier en derrière. Voilà, je laisse Lié à un thème ou on dit rien? On dit rien, le thème, je pense qu'on est, tous un petit peu dans le thème, donc le son qu'il y a derrière la musique ira avec. Très bien, donc c'est de ta faute. C'est de ta faute. Voilà. Maintenant, c'est... si vous allez avoir les mélodies en tête, ça va être de ma faute. Allez, on continue cette émission dans quelques minutes avec le ressenti et lien de nos dauphines. Et ainsi poursuivre cette dernière émission de l'année 2016. Se retrouver donc en 2017 avec aussi plein d'autres comités qui reviendront, des nouveaux comités aussi, Miss et Mister. Ça reviendra après. Tout à fait. Allez, à dans quelques minutes, dans deux chansons exactement. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by snow and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?
on a beach bar underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by Steamboat. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by Steamboat. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by Steamboat. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? We'll be right back.
voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de l'Instant Talent sur Pacific FM avec les élus, le podium Miss Wallonie Picard de 2017 et Madame la Présidente Ariane. Jérémy va toujours bien? Oui, ça va très bien. Ça va et toi? Eh oui, oui. Donc voilà, le thème de la soirée, c'est évidemment Noël, les fêtes de fin d'année. Et oui, elles sont toutes déguisées en Mère Noël. Donc voilà, si vous voulez nous voir en vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Regarder la vidéo sur la page Facebook L'Instant Talent Pacific FM, éventuellement aussi nous laisser un petit message que l'on transmettra en direct avec grand plaisir. Alors ici, mon cher Jérémy, pendant qu'on est donc dans une petite séance photo, évidemment, pour garder les souvenirs de cette belle soirée, n'est-ce pas, Ariane? Mais tout à fait, Ariane qui est une pro, une geek de Facebook, d'ailleurs, Ariane qui est tout le temps sur Facebook, qui... qui est accro, voilà, qui passe ses nuits sur Facebook. Non, non, la pauvre Ariane, voilà, elle est dans un état quand même assez de fatigue, assez avancé quand même, et elle nous fait quand même l'honneur de venir ce soir avec nous, avec les élus, donc ouais, on la remercie, encore merci à toi, Ariane. Alors, Laurine, on reviendra à toi un tout petit peu après, parce qu'il faut laisser évidemment la place à tes dauphines, et on va commencer avec notre première dauphine, pour rester un peu dans l'ordre. Laura, ça va très bien, Laura? Ça va très bien, merci, vous? Mais ça très va. Très bien. Alors, Jérémy, pour Laura, c'est quand même déjà une superbe performance, arriver deuxième, première dauphine, ouais. C'est quand même génial aussi. Alors, Laura, et toi un peu, comment as-tu vécu l'ensemble de cette expérience, que ce soit l'avant, le pendant ou l'après-soirée? Très bien, c'était beaucoup de stress, surtout que je suis passée première pour ma présentation personnelle. Et il faut dire que j'avais beaucoup de stress sur mes épaules parce que ça donnait le ton de la soirée. Donc si je me plantais, pour les autres filles, c'était pas chouette parce que le public allait se dire, déjà la première, elle sait pas parler. Donc forcément, ils vont se dire, les autres, ça va peut-être pas aller non plus. Donc mais une fois que ça s'est passé, je me suis détendue, ça allait beaucoup mieux. Et ça s'était très très bien passé, je me souviens. Voilà, c'était vraiment, t'as senti, même malgré peut-être une certaine dose de stress, très à l'aise. Et franchement, tu as démarré cette soirée de manière assez... Allez, c'était une présentation assez forte pour commencer, solide, disons. Donc je crois que c'était aussi, peut-être pour tes poursuivantes, pas super facile de passer après une telle présentation, je crois. Parce qu'on dit, ouf, là, voilà, elle a envoyé du lourd dès le départ, maintenant il faut le rassurer. Donc, bravo à toi pour cela. Est-ce que tu penses que c'était un des avantages pour toi de passer en premier? Moi, je préférais, sincèrement, je préférais passer première que dernière. Ouais. Justement pour le stress, parce que les dernières sont passées quand même un moment plus loin dans la soirée. Donc, ouais. Toutes les danses qui sont passées avant, elles étaient stressées, tandis que moi, j'ai pu être décontractée. Donc, voilà. Et justement, cela a été facile pour vous de gérer cette fatigue et d'encore réaliser des chorégraphies à plus d'une heure du matin, après voilà, beaucoup d'émotions. Est-ce que ça a été pour tenir physiquement aussi? Oui, on avait envie de donner un spectacle digne de ce nom au public qui était là. Donc je pense qu'on s'est toutes donné à fond pour ça, malgré la fatigue. On se disait, on pourra se reposer le lendemain de toute façon. Est-ce que vous voulez vraiment reposer le lendemain? Oui, nous sommes vraiment reposés le lendemain. C'est vrai, le contre-coup de la soirée a été... difficile aussi, là, une bonne dose de fatigue ou de soulagement peut-être aussi après toute cette préparation. Ouais, plus de soulagement, ouais. Je veux dire, on l'a fait et au final on s'en est bien sorti puisque on est toutes les quatre arrivées sur le podium, donc ouais. Voilà. Très bien. Et pour toi justement, donc cette place de première dauphine, est-ce que tu espérais avoir un prix à tout prix ou voilà, comment, quelles étaient tes espérances? Mais il faut attendre le 21 décembre pour sortir des jeux de mots pareils, t'imagines? C'est bien, t'as pris mon exemple. Pardon Laura, oui. Non, mais pas du tout. Moi je l'ai fait au départ pour vivre une expérience et pour gagner en assurance et en confiance en moi. Donc si j'avais pas pris, j'aurais été super contente et franchement, j'aurais vécu une belle expérience. Et malgré, si vraiment j'avais pas pris, j'aurais quand même recommandé à toutes les filles de le faire, ouais. Si elles avaient envie, de pas hésiter. Tu aurais été bonne joueuse, tu le promets? Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Très bien, très bien, très bien. Et toi, justement, donc, Laurine a donné tout à l'heure les raisons pour s'inscrire, pour vivre cette aventure. Est-ce que tu as un argument supplémentaire ou est-ce que tu es à 100% d'accord avec elle? Non, je suis d'accord avec elle. Et comme j'ai dit, ça permet de gagner en assurance et en confiance en soi énormément. On voit entre la présélection et le jour de l'élection que toutes les filles elles ont gagné en confiance. Très bien. Et est-ce que tu prévois déjà quelque chose pour le futur, soit t'impliquer dans cette élection, ou peut-être encore essayer d'autres élections dans le NO? D'autres élections, non. Comme j'ai dit, c'était la seule que je faisais. Je préfère en garder un bon souvenir, et ce qui est le cas. Et oui, j'aimerais continuer à m'investir dans cette élection-ci, principalement. D'accord.
Et toi, Laura, qui est assez cash, assez honnête, la vie avec Ariane depuis l'élection, ça va, tout se passe bien? Oui, je l'attends, franchement, elle est super, il n'y a pas de souci, elle sait. De toute façon, même si ça ne se passait pas bien, elle sait très bien que je lui dirai ce qui ne va pas, donc... Voilà. Elle ne vous met pas trop de pression, parfois, ça va? Non, ça va. Elle est très chouette. Elle est, je pense que l'autre fois, dans la première émission que l'on avait faite avec les candidates, c'était le surnom de maman poule, un peu, comme ça aussi, ouais, parfois. Ouais. Une deuxième maman, ouais. Ouais, c'était un peu ça. C'est bien le cas, Laurine, Laura? Oui, c'est un peu notre deuxième maman, c'est vrai. Hein, c'est elle qu'on voit en dehors de nos mamans respectives. Donc, ouais. C'est voilà. Vrai que les week-ends, vous les passez avec moi. Donc. Oui. Une deuxième famille. Hein. Voilà. Très bien, pour Laura, Jérémy, quelque chose à ajouter? Ah, t'as piqué mes questions. Oh ben, désolé, hein. Ouais, désolé. Hein. Attends, j'entends pas avec le casque. Voilà, il y a Ariane qui... Ah oui, vas-y, qu'est-ce que t'as eu comme... Vas-y. Ariane qui enchaîne. Tu vois, Ariane, on peut l'engager comme co-animatrice, Ariane. Avec grand plaisir. Sans problème. Au niveau des prix, qu'est-ce que toi, tu as reçu? Ah ben j'ai eu le prix de la presse et le prix de la photogénie. Oui. Juste. Vas-y, juste pour suivre, vas-y. Ouais, juste le prix pour rejoindre ton... Oh là 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 là. Oui, ben oui, ben c'est la fin du mois. Hein, c'est... Même les questions sont au rabais en fin du mois, là, désolé. Mais ils achètent sur internet les questions. C'est moi. Bientôt les soldes. Ah ouais, voilà. Nous sommes dans les pré-soldes, là. Mais par contre, nos invités, là c'est le luxe, par contre, ce soir. Oui. Il a fallu le temps que le franc y tombe. Tout le monde va aller faire un gros dodo après. Ah ouais. Ça nécessaire pour tout le monde, je crois. Laura, tu vois, à cause de cela, on perd le fil de l'idée. Ça alors, se voit, il est parlé pas bien. Il est perturbé, ça va pas là. Ah, je suis perturbé. Oui, vas-y, bah. Je vais devenir aussi rouge que ma veste. Enfin, que celle du Père Noël, quoi. On peut mettre un peu d'eau froide sur toi, hein, ça va te refroidir. Ainsi. Ah oui, Laura, pour être cash, elle est vraiment cash. Là, c'est pas la bouteille d'eau, c'est chaud qu'elle nous jette, Laura. Non, mais t'imagines, Laura, j'ai un peu chaud. Bah, vas-y, on va te mettre de l'eau froide. Là, vas-y, voilà, c'est cash, c'est direct, c'est droit, mais c'est voilà. Bien. Bon, okay. Ouais, c'est fait. Avant que je me fasse engueuler, quelque chose à ajouter, Laura? Merci Laura, non, n'hésite pas en tout cas à intervenir parce que voilà, tous vos micros sont ouverts, donc vous intervenez quand vous voulez, même durant les présentations des autres, si vous voulez perturber les autres présentations, n'hésitez surtout pas. Jérémy, est-ce qu'on passe à notre deuxième dauphine? Oui, Mallory. Oui. Bonsoir Mallory. Là, t'es là-bas. Il faut que je recule mon micro, c'est sûr que je ne vois pas. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va. Alors toi, ton ressenti après l'élection? Ah, j'ai eu beaucoup d'émotions durant toute ma soirée. Oui, en plus pendant ta présentation, si je me souviens bien. Oui. Ah bon, j'ai été un peu déçue de ma présentation, mais... Oh, bah non. Si. Pourquoi? Bah parce que j'aurais bien voulu pouvoir parler sans avoir trop d'émotions et... Mais bon, on m'a dit que ce qui était bien, c'est que j'ai pu rattraper et j'ai terminé ma présentation comme je le voulais. Mais bon, j'étais quand même un peu déçue. Mais bon, voilà, maintenant, je vois que ça m'a pas donné... Enfin, ça m'a pas porté préjudice parce que je suis quand même sur le podium. Donc, c'est que les gens ont été touchés quand même par ma présentation. Donc, Oui, ça, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident de rattraper le coup. Non, c'est sûr. Surtout... qu'il y avait beaucoup de stress, de fatigue, parce qu'on a quand même une répétition générale qui a terminé quand même assez tard. Puis toute la journée, moi, je suis fort stressée, donc le huis clos, j'étais au bout de ma vie. Alors après, cette présentation, je me disais, déjà, Laura qui fait une présentation parfaite, on s'est tout dit, oula, on passe après ça, on voulait plus passer. Donc on s'est dit, non, c'est pas possible, donc j'étais encore plus stressée, et alors après, l'émotion... pouvoir essayer de me rattraper, j'ai essayé de me dire dans ma tête, allez, prends ton souffle, ça va aller. Et puis, en fait, j'avais le réflexe de regarder ma mamie, et donc je pensais encore plus à mon papy, et donc je pleurais encore plus. Et, les présentateurs sont quand même venus près de moi, donc ça m'a fait du bien aussi. Et puis le public m'a vraiment soutenue, et ça, j'étais fort étonnée, donc ça a été. Mais donc après...
Oui. Le stress sécué. La présentation, ça a vraiment été le coup de stress. Et puis, je suis sortie de là, j'ai pleuré un bon coup, on m'a remaquillée, c'était reparti. Et après, c'était le meilleur moment de ma soirée, c'était après ma présentation. Donc, un peu comme Laura, t'avais évacué ton stress. Ouais. Et je me suis beaucoup amusée après pour les... Pour les danses, tout ça, ouais. Ça a été oui. Plus facilement. Moi, je fais de la danse depuis que je suis toute petite, le spectacle, je connais. Mais bon, voilà, maintenant, mon plus gros problème, c'était parler devant un public. Mm-hmm. Vu que je suis fort timide, j'avais fort peur, mais bon, voilà, ça s'est quand même bien passé. D'accord. Très bien. Et Mallory, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais le même genre de présentation? Est-ce que tu parlerais des mêmes choses? Non. C'est vrai? Tu changerais vraiment? Tu éviterais d'aborder des sujets qui t'ont mis dans cet état? Oui, je pense, parce qu'en fait, ce que je me disais, c'était... Enfin, ce que je voulais, c'était pouvoir parler de mon papy sans pleurer et qu'il soit fier de moi et que je puisse en parler comme ça. Et regarde, aujourd'hui, je peux en parler va. Mais je pense que c'était le stress qui m'a fait que j'ai pleuré. Mais je pense que j'ai pas encore assez tourné la page pour parler de lui comme ça devant autant de personnes. Et donc, si c'était à refaire, je pense que j'aurais pas parlé de lui. Mmh. Mais justement, dans ce genre d'événement, est-ce que tu n'avais pas en soi le besoin justement d'évacuer cela, dans ces circonstances, devant ce public, et de le dire à tout le monde, est-ce que tu n'avais pas ce besoin? Est-ce que finalement, ça n'a pas été utile pour toi, même si c'était difficile? Oui, j'avais envie que de là-haut, il soit fier de moi, donc c'est pour ça que je voulais parler de lui et lui montrer que je pense à lui et que si je faisais... Parce que je sais que s'il avait été là, il aurait été très fier de moi de me voir à une élection parce que je n'avais jamais fait auparavant et donc il aurait été très fier de moi. Donc c'était pour lui faire un petit clin d'œil et maintenant c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Tout à fait. Oui. Jamais avoir de regrets de toute façon. Non, en plus, c'est sûr. Deuxième Dauphine, c'est une superbe place. Ah oui, plus, je ne dis pas le contraire. C'est que peut-être que l'émotion a aussi touché justement le jury au contraire. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, que... ma présentation les avait beaucoup touchés. Moi, sur le fait, je me suis dit, j'ai raté ma présentation. Je me disais, je suis nulle, je suis biette. Pourquoi j'ai parlé de ça? Et puis, j'étais déçue de moi. Je voulais vraiment parler de lui et sortir de la scène, être fière d'avoir parlé de lui. C'est comme ça. Je suis quand même sur le podium, donc c'est quand même bien. Je suis quand même contente. Génial. Et toi aussi, pour le futur, donc la même question qu'à Laura, est-ce que tu voudrais essayer d'autres élections, essayer peut-être d'encore faire mieux peut-être autre part, ou est-ce que tu as déjà un peu prévu le futur, ou est-ce que tu laisses couler les choses? Je ne sais pas trop, c'est mes études avant, donc mes parents me poussent quand même beaucoup à vouloir que je fasse Miss Eno, Miss Belgique, je me dis c'est mes études avant et que... maintenant j'ai changé, je suis à la haute école, je suis plus à l'université et pour l'instant, quand je vois déjà rien qu'ici cette élection, gérer toutes les prestations et l'école, c'est pas si facile que ça, donc je verrai au futur, je sais pas du tout comment ça va se passer. Très bien, en principe tu en as encore pour combien d'années d'études? 3 ans. 3 ans, d'accord, ouais. Et qu'est-ce que tu étudies? Les maths. D'accord, les maths, voilà. Très bien, ça se passe bien pour le moment? Oui, ça va. Bientôt les examens alors en janvier et tout cela? On te souhaite le meilleur pour ces examens. Et toi aussi, même en tant que deuxième dauphine, tu as reçu une flopée de cadeaux. Ah oui, j'ai été très, très servie. En plus, j'ai eu quand même 3 prix à cette soirée-là, donc j'ai quand même eu aussi les cadeaux de ces 3 prix-là, donc j'ai vraiment été bien gâtée. Très bien. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour toutes celles qui désirent s'inscrire. Il n'y a pas que la grande gagnante qui reçoit des cadeaux, mais les dauphines sont également bien gâtées, très bien gâtées. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Jérémy, pour Mallory, encore quelque chose? Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui voudraient s'inscrire à cette élection, ou leur donner l'envie de s'inscrire? Si je parle pour moi... Cette élection-là, je l'ai faite parce que je suis fort timide et je voulais montrer aux filles qui n'avaient pas confiance du tout en elles que tout était possible. Et au final, je suis quand même... Parce que quand j'ai commencé cette élection-là, je me suis dit je ne visais pas le podium ni rien. Je voulais juste faire pour l'expérience, rencontrer de nouvelles personnes et surtout pouvoir parler en public, que ça m'aide parce que ça pourra m'aider aussi pour mon métier vu que je vais devenir professeur. Parler comme ça devant des élèves, ici, c'était une aventure qui a pu m'aider. Et donc,
cette aventure, elle est vraiment bien pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, parce que moi, je suis sortie beaucoup plus grandie, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Avec Laura, on a dû défiler quand même en sous-vêtements devant plein de gens. Et on m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais dit non, je ne monte pas. Alors qu'ici, on l'a fait. Donc, ça montre que j'ai vraiment beaucoup plus confiance en moi et que cette aventure m'a aidée. Donc voilà. D'accord, donc prendre confiance en soi. Mais oui, c'est vrai que c'est ce qui nous revient quand même assez souvent, et c'est tellement important aussi dans la vie actuelle d'avoir justement cette dose de confiance en soi, parce que la société ne nous aide pas à avoir confiance en nous. Et c'est le problème, parce que quand elles s'inscrivent sur notre site, elles donc doivent marquer pour leur motivation, pourquoi elles s'inscrivent, et toutes, quasi toutes, je suis quasi 98%, 90, oui, 98% des filles marquent pour prendre confiance en elles. Donc, notre but en premier, c'est de leur faire, apprendre à avoir confiance en elles. C'est pas évident de travailler avec toutes les filles, mais voilà, on essaye et on les met dans des situations où, quelquefois, des fois on leur dit vous allez parler devant tout le monde, et puis elles croient que la soirée est passée, qu'ils ne vont plus parler, mais d'un coup, donc voilà, on leur apprend, on n'est pas là pour les torturer, parce qu'on est très très famille. Les filles ne sont pas un numéro, elles sont deux filles, elles ont tout un prénom. On est un peu plus sévère à la fin, parce qu'on veut que le spectacle soit bien, parce que la générale a été vraiment catastrophique. On dit une mauvaise générale, une bonne élection. Quand on prend la peine de parler ensemble, et quand il y a un souci, on discute. Mais c'est pas trop difficile de gérer justement autant de filles avec des personnalités différentes? C'est pas évident, parce que moi j'ai une fille qui ont fait quand même des élections, elle revenait et disait moi je comprends pas que le comité ne voit pas qu'il y a ça ou ça qui ne va pas. Et c'est vrai que quand maintenant qu'on est derrière, on est nous concernés parce qu'on est le comité, on dit des fois les filles viennent et nous disent il y a ça qui ne va pas, et puis on l'a pas remarqué. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de voir, mais cette année c'était un bon groupe, on n'avait pas eu de... Allez, ils ont resté solidaires jusqu'au bout toutes, donc voilà. D'accord. Alors c'est bien, c'est qu'il y a aussi un réel coaching, un réel suivi aussi pour la gestion de la confiance en soi, pour faire évoluer. Donc c'est vraiment aussi un beau parcours, et c'est très enrichissant, même si au final, au niveau du résultat, on n'est pas élu. Elles sont toutes gagnantes à la fin, parce qu'elles ont elles se sont inscrites, elles ont vécu, parce que beaucoup de filles n'oseraient pas. C'est le problème de maintenant, beaucoup de filles n'osent pas, parce que quand dira-t-on? Il ne faut pas voir ça sous le fait qu'on défile ici et là. Il y a d'autres choses derrière les qualités pour être Miss, et il n'y a pas que le tais-toi et sois belle, il y a d'autres choses, et ça c'est le préjudice que toutes les jeunes filles ont et qui n'osent pas avancer le pas. Qu'est-ce qu'on va dire de moi que je fais une élection Miss? Il n'y a pas, c'est pas tabou. Mais ça c'est le problème, en partie de la société actuelle, c'est que on fait super attention à son image et elles croient qu'elles doivent avoir le corps parfait, ici et là. Il y a des façons de mettre en évidence une fille, que par le corps parfait. Tout à fait. Voilà, donc... Tout à fait. Très bien, et sinon Ariane, je pose peut-être une question un peu stupide, mais ce n'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, on n'est plus à ça près. Tu vises quelqu'un en particulier? Pas du tout, certainement pas. Est-ce qu'on t'a déjà proposé un Mister Wallonie-Picarde? Oui, on me demande souvent. Non, je n'ai plus l'âge depuis ambassadeur. Le Mister, on peut le faire plus tard aussi, parce que c'est vrai que la maturité d'un garçon est plus... quelquefois tardive. Plus tardive. Donc il y a certaines élections avec le Mister vont jusque 30 ans, donc voilà. Mais non, moi je me mets à 100%. Ça je peux pas. je préfère être vraiment autour des filles que de me lancer dans les Mister. Puis les garçons c'est chiant parfois. Regarde la preuve. Je ne veux pas dire, mais je n'ai pas plus jugé sur les garçons. Mais voilà, non, je préfère chouchouter les filles et voilà. C'est déjà un bon travail, donc faut pas encore en rajouter. On va dire. Et 12 comme lui. Non, Dieu. Ah oui, toi. Pourquoi moi? Parce que toi. Je crois que t'es facile, toi, peut-être. Si, oui.
dit-il derrière son air innocent. Il y a le grand frère Zimbou derrière. Le grand frère, il est petit frère, oui. Oui, mais bon, en taille, quoi. Il dit que c'est pas vrai, que t'es pas facile. Mytho, ose dire le contraire. Et il y a ta copine qui confirme par message. Voilà. Scélérant. Elle dit, il est catastrophique, voilà, donc ouais, c'est... Non, mais c'est vrai que ça doit pas être évident non plus, ça dépend un peu des personnalités, mais... Ça doit pas être facile avec qui, avec moi ? Bah avec nous, je crois. Bon, je ne crois pas que c'est plus difficile avec les garçons qu'avec les filles, parce que bon, voilà. Mais bon, je me limite aux filles, parce que bon, je me dis, bon, voilà, je préfère leur faire vivre une bonne aventure, une bonne expérience, que de faire un amalgame et qu'après, bon, on ne sait plus suivre, il faut savoir suivre. Mmh. Bon, je les suis partout, donc... Très bien. Bon, j'ai régné l'heure avance et il y a toujours une personne qui n'a pas pu prendre la parole. Elle croit qu'on l'a oublié. Non. Elle sourit là, mais Mélanie Depré, plus son micro, elle ne veut pas parler. Alors, qui est Mélanie Depré, mon cher Jérémy ? C'est la troisième. Ah ben oui, ça va bien, Mélanie ? Ça va, et vous ? Mais très bien, même si c'est Mélanie Depré, on te voit de loin là, mais voilà, c'était pour les jeunes mouvements de la soirée, pour aller bien finir la vie. Ah oui, écoutez. Même moi, j'y avais pas pensé. Pourtant, j'ai l'habitude. J'en suis sincèrement désolé, Mélanie. J'en suis sincèrement désolé. Mais tu vois, voilà, c'est la fin d'année, on vient de passer les 21h, et là, je ne peux plus poser une question intelligente. Mais malgré tout, Mélanie, toi, ton ressenti par rapport à toute cette aventure, cette soirée, et aussi cette très belle place de troisième dauphine, c'est quand même assez génial aussi. Alors, raconte-nous un peu ton ressenti. Ben, comme pour mes trois collègues de podium, c'est beaucoup d'émotions. Ça a été une soirée... que j'ai eu du mal à gérer, parce que je pense que j'étais la seule candidate à travailler, si je ne me trompe pas. Donc moi, jusque le vendredi, qui précédait l'élection, j'ai travaillé, donc j'ai enchaîné mes heures au travail, puis plus les répètes, plus la répète générale, pour être là le samedi, attendre pour le huis clos, parce que je passais dans les premières. Donc j'ai dû gérer le stress, la fatigue, puis moi, j'étais pas venue pour avoir une place sur un podium. Je suis venue avec une idée en tête, c'est qu'à savoir, l'année passée, j'ai eu le prix de l'espoir pour le podium 2016. Oui. Donc moi, je suis revenue pour profiter une dernière fois, et avec un message à faire passer, c'est qu'on peut évoluer. Et j'avais tout un tas de personnes à remercier, donc comme le comité, Ariane, le photographe Geoffrey, mais aussi des personnes que j'avais rencontrées l'année passée, qui ont été avec moi sur ma présentation sur scène. Il y avait Clarisse derrière moi. Et moi, j'étais venue une idée de, voilà, pendant ma présentation, je remerciais ces personnes, je faisais ma petite affaire, et j'étais satisfaite du résultat, et je pensais vraiment pas accéder à une place, en fait. Et comme quoi, voilà, belle surprise aussi, alors, ouais. L'annonce des résultats, c'est vraiment très très chouette. Hein. Alors, Mélanie, et toi, justement, tes conseils pour toutes celles qui nous écoutent, là, qui se disent, bon, pourquoi pas, j'hésite, je ne sais pas trop, voilà, vraiment ton conseil, maintenant que tu as vécu l'aventure plusieurs années, de dire, bon, et maintenant, il faut foncer. Pourquoi ? Mais comme tout le monde dit, c'est pour prendre confiance en soi, puis apprendre à profiter aussi, parce que voilà, moi j'ai évolué dans le sens où j'avais pas du tout confiance. J'adore la scène, mais j'arrivais pas à me lâcher sur scène, et j'ai appris justement à avoir ce lâcher prise, et c'est ce qui a changé cette année, et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, sur le fait qu'on le ressentait. D'accord. Voilà. J'étais là pour m'amuser et il n'y avait rien d'autre. Très bien, très bien. Est-ce qu'une sortie en particulier t'a marqué depuis l'élection ou même avant, lors de la préparation ? Il y en a beaucoup. Mm-hmm. Il y en a beaucoup. Bah, c'est vrai que la sortie que j'ai faite samedi avec Laurine pour une SBL m'a beaucoup touchée, parce que oui, c'est des enfants, c'est une SBL, c'est une bonne cause. Donc on est content de pouvoir montrer que Nice et ses dauphines, c'est pas que du paraître. Ouais. Il y a aussi de la générosité derrière, il y a du cœur. Après, on a beaucoup aussi de sorties où on va au contact des gens. On fait des salons, on a fait des courses cyclo. Donc voilà, on ne fait pas que du défilé et sois belle et tais-toi. Ouais, tout à fait. Et tant qu'on est à l'antenne, on peut rappeler le nom de l'association ? C'est Un rêve, une étoile et tout est possible. Voilà, comme ça, on les salue également à ce niveau-là. Jérémy, toi, pour Mélanie, as-tu encore des... Au niveau des cadeaux ? J'ai retenu la question. Fort gâté aussi, parce que j'ai eu deux prix aussi, dont celui du comité et des filles en titre. Donc c'est aussi des cadeaux supplémentaires et ça nous touche toujours. C'est quand même chouette, avoir le prix de l'espoir puis le prix du comité l'année suivante, c'est quand même, ça doit être assez touchant. Oui, c'est celui qui m'a le plus touchée.
c'est même pas la place de troisième dauphine, ouais, c'est d'avoir ce coup de cœur. Parce que voilà, ça fait... j'entame ma deuxième année du coup avec Ariane. Mais déjà avant l'élection, j'avais déjà décidé de rester avec Ariane derrière en coulisses, même si j'avais rien. Ouais. D'accord. Et donc là, par après, quand l'année sera terminée, tu comptes encore rester un petit peu aux alentours? Bien sûr. Pourquoi pas t'investir en comité? Voilà, donner un coup de main en tant que bénévole et... Il gagne 2 bénévoles cette année. Tiens, moi j'avais une question par rapport au soir de l'élection. Il n'y avait pas un endroit pour les enfants, si je ne me trompe pas? Si, près de la Seine. Ouais, il me semblait bien. Ouais, pas un genre de petite garderie. Il me semblait bien. Voilà, bon, ça m'avait marqué, ça. oui, on a eu beaucoup de naissances cette année de nos anciens élus. Donc on prévoit maintenant à partir de... Ça a commencé cette année, mais on prévoit un petit endroit pour les enfants. D'accord, parce que j'ai été me présenter, mais on m'a recalé. C'est pour ça que ça m'a marqué. Tu n'avais pas pris ta tutute avec. Pourtant, je t'ai amené en te tenant la main, disons. Je voulais jouer avec les autres enfants. Voilà, parce qu'elles voient toutes, donc pour elles, c'est, pour les anciennes, c'est une soirée où elles reviennent toutes sur scène, vous avez eu l'occasion de les voir. Mm-hmm. Maintenant certains sont devenus mamans, on s'est dit bon, on accueille les enfants et voilà. Ça c'est top, je trouve. Donc, franchement. Et l'année prochaine, ce sera encore mieux ce coin-là parce qu'on va vraiment mettre un petit château gonflable, voilà, vraiment pour eux ne pas s'ennuyer et que cette soirée pour ses enfants quelque chose de bien aussi. Donc, exactement. L'année prochaine, il peut voir ma tétine. Évidemment. Et tant qu'on part l'année prochaine, Ariane, est-ce que tu veux bien nous faire le plus beau cadeau de Noël qu'il soit? C'est en revenant avec tes candidats 2018. Oui, sans problème. C'est vrai? Oui. Ce sera avec grand plaisir. Ce sera après le mois d'avril. Parce que évidemment. La présélection a lieu donc au mois d'avril. Cette année, elle est un petit peu avancée par rapport aux autres années. Oui. D'habitude, ça se fait toujours aux alentours du 15 mai. Mais cette année, j'ai ma petite fille qui fait son spectacle tous les deux ans. Et c'est le week-end du 15 mai. Donc, on s'est dit, on ne va pas le faire quand même. La présélection, on ne va pas aller au spectacle de ma petite fille. Et puis, on avait reporté 15 jours avant, mais la salle, on fait toujours l'autre présélection dans la ville ou le village de la Miss Élue. D'accord. Donc, les autorités pécoises sont déjà venues vers nous, nous demander, comme c'est une pécoise, est-ce que vous la faites à Pec? On a une salle, donc tout c'est déjà en jambe. Donc, moi, j'ai demandé, si pour le week-end du 1er mai, c'était possible que cette salle soit libre, mais elle était déjà occupée, donc on l'a avancée de 15 jours. Donc, une fois cette année, ce sera le 15 avril. Mais les filles vraiment qui sont intéressées, que ce soit un mois avant ou pas, s'inscriveront. Mais c'est bien, c'est que ce soit la commune qui vienne directement vers le... La commune de Pec, pourtant je remercie les autorités pécoises, sont vraiment venues vers nous, nous ont déjà dit, la salle, on met une salle à votre disposition, et tout s'est déjà engendré, la date est fixée, la salle est réservée, C'est flatteur, ça, quand même. Oui. Donc, ça, c'est chouette. C'est très bien. Pas mal. Très bien. Vivement. Pour l'élection, on ne sait pas encore. On change de ville en ville chaque année. Donc, on va essayer de cibler cette année un endroit où on n'a pas encore été. Mais ça, je le tiens encore secret parce que on n'a pas encore de contact, mais on pourra en dire plus tard, un peu plus. On a essayé, mais elle ne veut pas. Voilà. La date que je vous l'ai dit, c'est le 4 novembre, mais l'endroit, il est encore tenu secret parce qu'on doit seulement nous faire les démarches pour la salle. Donc, très bien. D'accord. Et donc, au niveau du thème, ça, tu disais tantôt, au mois de janvier. Ouais. D'accord. Donc, quand on viendra la prochaine fois, je pourrai vous le dire. En général, le thème, on dévoile le jour de la présélection. D'accord. Bien. On va encore devoir attendre un petit peu. Que du bon. Laurine, comment se prénomme ta maman? Laura. Est-ce que Laura veut bien se lever parce qu'elle est venue nous voir ici? Se lever pour qu'on puisse vous voir à la caméra un tout petit peu. Juste là, on vous voit un petit coucou à la caméra. Là, voilà. Donc c'est Laura, la maman de Laurine. Tout va bien, Laura? Ah oui, tout va bien, oui. Tout va bien? Je suis installée, je suis en bonne compagnie. Oui. On rigole bien, avec nos bêtises. Avec nos bêtises, enfin. Quelle bêtise!
Je vous remercie en tout cas. Bah, merci d'être venu nous voir aussi ce soir. C'est avec, très gentil. Avec grand plaisir. Bon, mon cher Jérémy, l'heure passe déjà 21h10. Alors, je propose de faire un dernier tour de table, à moins que tu aies encore une grosse question, un sujet que l'on n'a pas encore abordé. Non, mais on n'a pas encore fait un gros coucou à la caméra. Allez, vas-y, fais un gros. C'est pas moi qui dois faire coucou, c'est nos miss qui doivent faire coucou. Pour tous ceux qui nous écoutent. Évidemment, on postera le lien de la vidéo pour que vous puissiez vous revoir. Pour que vous puissiez vous réentendre, vous revoir. Et même aussi pour tous les auditeurs qui n'ont pas, par exemple, entendu le début de l'émission, ben voilà, on pourra vous retrouver. On mettra le lien ici d'ici quelques jours avec grand plaisir. On fait un dernier tour de table, mon cher ami. Voilà, Ariane, pour conclure un peu cette jolie émission avec vous, parce qu'on s'amuse toujours bien avec vous. La première fois, on s'était bien amusé. Et ici aussi, même en petit comité. Voilà, donc peut-être, quand on veut s'inscrire, les meilleurs moyens de te contacter sont. Ah ben alors donc il suffit d'aller sur notre site internet, donc vous tapez sur Google Miss Wallonie Picard, vous arrivez tout de suite, déjà même Miss Wallonie Picard suit. Et donc là il est donc il y a un petit encart, donc inscris-toi. Et bon ben là il suffit qu'elle remplisse le petit formulaire qui est sur notre site. Et puis de là, bon, ben, moi je réponds, tout s'engage, voilà. On se fixe un rendez-vous, je les accueille à la maison, je leur explique avec eux. Je prends le temps de bien leur expliquer tout ce que l'aventure consiste. Et alors, bon, voilà, il y a un petit contrat signé. Et l'aventure commence pour elle après. Donc, très voilà, bien. Moi c'est fait, je me suis inscrit. Voilà, si Jérémy me libère, qu'est-ce que tu vas le reconnaître, tu crois? Bah, ce serait peut-être un premier mystère. tu es encore là, je crois, donc tu peux. Pour l'instant. Très bien, pour l'instant. Un tout grand merci à toi, en tout cas, Ariane. Merci à vous aussi. Vraiment, voilà, on se prend au pied de venir. C'est toujours avec plaisir. Voilà, et on vous attendra encore l'année prochaine. Ah, ça c'est chouette. Ouais. Sans problème. En plus, on avait vraiment passé un super moment. Mais en première loge. Hein. Ça c'est encore. On a adoré. On a adoré, ouais. Non, en plus, c'est vrai, on a pris plein de photos devant la scène. On a vraiment, voilà, comme des gosses. Franchement, on était comme des enfants, on s'est amusés comme des fous là ce soir-là. On a beaucoup ri. Donc, encore merci à cela, pour tout cela en tout cas. Merci. Laurine, le mot de la fin pour toi, voilà, que veux-tu ajouter pour cette fin d'année, cette fin d'émission, quelque chose que tu aurais dû dire, que tu n'as pas dit tout à l'heure. Que j'ai pas dit, bon bah, tout simplement souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde, hein. Voilà. Une bonne fin d'année, voilà, que tout le monde soit heureux, et voilà. Si ça c'est pas beau. Laura. Laura, oui. Ton mot de la fin. Ah ben moi je dirais à toutes les filles de ne pas hésiter à s'inscrire à cette élection. Voilà, c'est une belle aventure à vivre et faut pas hésiter du tout, et on est là pour répondre à leurs questions si elles y en ont, y compris Ariane, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai notamment fait avant de m'inscrire, je lui ai posé beaucoup de questions et elle est ouverte et elle répond facilement. Très voilà. Bien, un tout grand merci. Et il n'y aura pas de mystère. Voilà, ça c'est fait. Voilà. J'ai décidé, il n'y aura pas de mystère. Voilà. J'imagine, je viens, est-ce qu'on peut s'inscrire comme mystère? Non. Voilà, non. Mais non. On va rester dans l'ordre Mallory. Alors le petit mot de la fin, Mallory. Pour toi, que veux-tu ajouter? Je sais pas trop. C'est déjà tout dit. Donc, pour les candidates qui ont encore des questions pour pouvoir s'inscrire à l'émission, elles peuvent toujours nous rajouter sur Facebook et on prendra plaisir à leur répondre. Et voilà, je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et voilà. Très bien, merci aussi à vous d'être venus. Et enfin, Mélanie, donc même si tu t'es exprimé qu'à partir de 21h, voilà, tu as encore l'antenne libre, je te rassure, tu peux encore ajouter tout ce que tu veux. Voilà, on te laisse l'antenne libre pour ajouter vraiment tout ce que tu désires dire à nos auditeurs. Moi, je dirais juste aux filles qui veulent s'inscrire de ne pas hésiter, parce que c'est un comité génial. Et en plus, vous allez avoir un podium, donc des marraines super pour vous encadrer, parce qu'il y a une entente qui est géniale entre nous. Et on aimerait avoir juste une petite pensée à toutes les candidates qui ont fait cette aventure avec nous. Et le jour de l'élection, vous avez sûrement entendu quelque chose dans les coulisses, tout début du spectacle. Donc on aimerait juste le refaire pour les filles. Non. Allez-y. Allez, tout. C'est bon.
Vous avez carré. Écoute, je répète, voilà. Voilà. Très très bien, on a bien fait terminer avec toi, Mélanie. Voilà. Non, très très chouette en tout cas, voilà, et on en profite aussi pour saluer bien tous les autres comités qui nous écoutent parfois, qui sont déjà venus ici, qui viendront l'année prochaine, puisqu'il y aura aussi de nouveaux comités. Voilà, on peut déjà annoncer un peu le programme pour 2017. Le Chièvre, d'Otigny, voilà, il y en aura bien d'autres. Je n'en dis pas trop, mais voilà, il faut quand même l'annoncer, en plus évidemment de tous les comités qui sont venus cette année à notre émission et qui, si tout va bien, reviendront sans aucun problème. Mais je pense, voilà, lors de l'élection de Miss et Mister Antoine, j'étais à côté d'Éléonore, comment ça lui aussi. Voilà, dans le jury. Et donc merci, voilà, à tous en tout cas pour votre bonne humeur, pour vos invitations, et on vous souhaite en tout cas de très 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 belles fêtes de fin d'année. Merci de nous écouter, on se retrouve d'ici 2-3 semaines, voilà, pour la, voilà, pour le 2017, et plein de belles choses qui s'annoncent. Eh bien, mesdames, encore un grand merci pour votre présence. Voilà, profitez bien de ces peut-être merci, vacances, merci. Peut-être blocus pour certaines, mais voilà, on va dire vacances, faites avant tout, pensons le positif. Et on vous souhaite en tout cas aussi un très bon retour. Ariane, encore merci, à bientôt. Jérémy, Thomas. Je te laisse finir l'année 2016. L'antenne est à toi. Fin. Moi je mets pas de points, moi. J'écris des mails, je mets pas de points, pas de points. Hein? Merci Jean-Louis. Non, voilà. Non, merci à tous nos auditeurs de nous écouter. Vous êtes en plus. Et là je vais faire un petit jeu de mots aussi. Vous 5 êtes millions. En plus, plus en plus nombreux. 6 millions. Écouter. 7 millions. Bah, j'irai peut-être pas jusqu'à 6 millions, mais. Faut dire qu'il y a d'autres radios qui sont quand même à 2 millions, donc on peut pas se vanter d'être à 6 quand même. Mais allez, j'en ai 5. 2. 3. Vas-y, Jérémy, tu vas faire de pires jeux de mots que moi si ça continue. Ah, c'est dur, c'est un peu. On va mettre l'année prochaine à la garderie. J'imagine une place VIP à la garderie, Jérémy. Bien, il manque plus que la barbe. On fera le Père Noël avant l'heure. Le babysitter. Voilà, je ne fais pas Mister, mais je fais Babysitter. Babysitter. Je te mettais avec l'écharpe Babysitter, comme ça te mettait ça. Vin Diesel, mais sans les biceps. Mais si. Voilà. Merci à tous nos auditeurs de nous être fidèles et de nous écouter. Et... si, c'est de ma foi. Cette fois-là, ça s'est fait. Je te remercie. Voilà, et on souligne aussi Manon, voilà, le prix d'espoir cette année. C'est oui, Manon, voilà, oui, voilà, évidemment. Et qui pense le faire en plus. Donc. Eh ben voilà, voilà, ce sera un plaisir de l'accueillir. De l'accueillir, en effet. Voilà. Alors Jérémy, j'ai l'impression que tu veux plus quitter l'antenne. En fait, on doit clôturer, mais t'es là, tu fais traîner les choses, j'ai l'impression. Ah ouais, je me suis fixé 21h20. D'accord, bien sûr. On s'en fout. Allez, là. Voilà, donc. Très belle fin de soirée à tous. Voilà, soyez prudents. Faites attention à vous et à très bientôt. C'est belle fin de soirée à tous. On vous embrasse fort. Allez, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao.